Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau bon plan de l'Epic Games comme tous les vendredis quand j'oublie pas comme la semaine dernière. On se retrouve pour le bon plan de l'Epic Games parce que l'Epic Games nous offre un jeu ou plusieurs jeux par semaine. Et donc cette semaine, c'est un jeu qui est offert, c'est Grim, qui est interdit aux moins de 18 ans d'après, ou qui est pour les adultes, un jeu pour adultes. Je dis pas que ça va être parce que c'est pornographie, mais parce que de la violence. Donc c'est Grim qui est offert, comme je vous le disais, par l'Epic Games. Un jeu qui coûte 19,99€ de base, désolé. La promotion se termine le 13 juillet 2023 à 17h. Donc vous avez une semaine pour récupérer le jeu. Le développeur de ce jeu, c'est Cloverbyte, édité par Akupara Games. Il est sorti le 2 août 2021, et donc voilà, je ne connais pas du tout Grim. Grim est un jeu de rôle action-aventure impitoyable dans lequel vous maniez des armes vivantes qui mutent pour changer de forme et de fonction. Affrontez un monde énigmatique, anatomique, et renforcez-vous en absorbant vos victimes au moyen d'un trou noir. Donc c'est un jeu de plateforme, jeu solo. Voilà, il n'y a pas de DLC, mais j'ai vu dans le premier trailer qu'ils nous ont montré, dans ce trailer-là, qu'il y a un nouveau DLC gratuit. Voilà, donc il y a des DLC et tout. Le jeu est plutôt très joli, comme on peut le voir sur ces différentes captures d'écran. Voilà. Donc pour le récupérer, vous cliquez sur Obtenir. Donc ça charge, la page de la commande du panier charge. Et quand vous avez ça, bah, vous cliquez sur Confirmer la commande, vous acceptez. Et paf! Ça fait pas des chocs à pic, ça fait que le jeu arrive dans votre bibliothèque. Voilà. Donc, voir dans la bibliothèque. Et voilà, le jeu, il est là. Voilà, Grim. Et il y a 42 succès. Donc voilà, si vous voulez vous amuser sur Grim. Et hop, Tinge of Terror. Voilà. Et hop, je l'installe. Comme ça, bah, il me restera plus qu'à faire le gameplay. C'est un jeu qui pèse 6,20 giga. Voilà, ça va. Il y a mieux, mais il y a pire. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre la fin de l'installation de Grim Tinge of Terror. Et on se retrouve tout de suite. Pour le gameplay, si vous ne voulez pas voir le gameplay, parce que ça vous intéresse pas, on se retrouvera la semaine prochaine pour Train Valley 2 qui sera offert. Voilà. Donc à tout de suite pour le gameplay de Grim. Et de retour pour le gameplay de Grime. Donc on est parti. La musique, elle est hyper cool. Elle doit être un peu forte. Je pense que je vais un peu la baisser pour vous de votre côté pendant le montage. Je verrai bien. La musique du jeu est très très cool. Ce jeu possède une sauvegarde automatique, arrêter une partie brusquement pourrait entraîner une perte de données, comme dans chaque jeu qui a une sauvegarde automatique. Donc ça, après c'est toujours bon de nous le rappeler. Donc voilà, on est parti directement dans le jeu. Donc voyons voir ce que ça donne. On peut jouer à la manette. Je suis avec une manette PS4 et ça fonctionne.
Ok, donc let's go, on est parti. On va se déplacer. Voilà, petit tutoriel. Ok, on peut se déplacer que sur la droite. Ok, c'est le générique du début. Donc voilà, la cinématique était très jolie. C'était très joli la cinématique. La musique et tout, tout était cool. Allez, bon, si on est en train de se reconstruire. On est formé de pierres, à ce que je comprends bien, une pierre un peu bizarre. Et on est en train de se reconstruire petit à petit. Et Alex Rowe en musique. Et eh bah, sa musique elle est hyper cool. Ok. Ah, on va enfin pouvoir marcher. C'est ça. Ok. Donc voilà, on a enfin notre possession de notre personnage. Donc on a en haut la barre de vie, je suppose, avec une barre de mana. Ah, c'est une barre d'endurance. Comme dans les Dark Souls et tout. Ah. En vous déplaçant, foncez. Vous pouvez foncer à travers les créatures. Ok. Il y a même des passages secrets et tout. On peut faire. Non, on peut pas le faire en étant. Ah, et ça nous. Et notre endurance en prend un coup, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas de double saut. Pour absorber, appuyez sur R1 au moment où une attaque ennemie fait mouche. Une mise en bouche avant les grands festins à venir. Ok, j'ai réussi. Il faut vraiment. Brave frêle, 1 sur 5, nouvelle proie trouvée. Ok. Regardez en haut. Regardez en bas. Ok. Il y a des pots, on peut rien faire. Merde, j'ai raté. Allez, bim. Donc grâce à notre trou noir, on peut absorber les ennemis. Oh putain, ça m'a fait peur. Oh, bordel. J'ai fait un bond. C'est n'importe quoi. Oula, oh le bug. Je trouve des bugs. Pour descendre, c'est comme ça, normal. Y a plein de pots, ça sert à rien. Allez, bim. On absorbe. Absorber un ennemi, vole son souffle. Appuyez sur R2 pour convertir une jauge de souffle pleine en santé. Il faut entretenir un instrument. Prenez-en soin de l'hôte en sacrifiant une proie. Ah donc comme mon truc est plein, je fais R2. Ok, ma vie se régénère. Ok. Ouais, et là je suis full vie. Ok. Ok, let's go. On peut descendre. Il y a l'air d'avoir un truc là, non? Non, que dalle. Ça va, il monte assez vite le personnage. Ah, et c'est ici qu'on est tombé, c'est ça? Ouais, ok. Let's go! Cavité suitante. Le ciel, l'agitateur de l'être. L2. Oh, un succès, c'est ça? Je suppose. Ah, c'est un développé. C'est-à-dire. Ok, c'est pour des points de compétence. Ok, c'est pour des points de compétence. Un Levolan marqué devient votre point de contrôle et votre substitut. Lorsque vous serez brisé, vous serez reformé au dernier endroit où vous avez formé un substitut. Alors que vous serez refermé, la plupart des proies seront aussi utilisées leur masse pour développer votre hôte. Un éclat de berceau dans lequel vous avez parfois vécu. Donc j'ai ma masse en bas à droite, les 236, et donc ça permet de faire un checkpoint. Mais attends, on peut utiliser le truc? Endurance, augmente le maximum. Vas-y, on va prendre les dégâts. Ouais, et là, j'ai plus de substitut. Plus assez pour. Ok. J'ai augmenté mes dégâts. Je sais pas si c'est une bonne chose, on verra bien. Ça se trouve, j'ai fait la pire chose du monde vu que. Ah, je l'ai pas vu, merde. Merde, c'est quoi déjà le bouton pour absorber? Ah, absorption, bim! Le problème c'est que j'ai pas d'armes, donc c'est compliqué. Il y a un truc là. Ah, on pouvait. Oh! RL2. Poussière de l'évolant. Merde. Trop tôt. J'essaie de trouver le timing. Voilà, ok. RL2. Poussière de l'évolant. Non, de l'ongle, des ongles. Ok.
Et en bas, il y a quoi? Il y avait un truc caché. Lui, il m'attaque pas. Il a pas l'air. Ok, bah j'ai bien fait de passer d'aller en bas aussi. Aïe. On peut faire jusqu'à 3 dash, après on a plus d'endurance. Allez, tiens! Tout ça pour trouver un truc là. Oula! Oh, j'ai réussi à la voir. Super. Ça, c'est pour Bibi, sable ardent. Et y a plus rien en haut, ok. L'ambiance du jeu, je la trouve vraiment cool en vrai. Et paraissait les drons sales. C'est l'or qui a splendeur. C'est la perfection. Ah, pardonnez-moi, pendant un instant, j'ai cru que vous étiez un de mes semblables, déformé et dégoûtant. Mais non, vous n'êtes pas du tout comme eux. Vos proportions sont sublimes. Oh, être sans défaut. Je vous prie, laissez-moi vous servir. Je pourrais vous être utile, je vous le promets. Je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait vous servir. Oui, je vous retrouverai avec un cadeau digne de votre attention divine. Hihi. Ok. On a une espèce d'allié maintenant qui veut nous faire un cadeau. Qu'est-ce que va être ce cadeau? Trop tôt. Maintenant. Et je vais me remettre de la vie. Parce que niveau vie, ça pue un peu. Hop là! On récupère ça. Les doigts informes. Ok. Voilà, bim, allez, ça dégage. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne des ongles. Et ici, il y avait quoi comme secret? Des doigts informes. Oh, Tast, 5. 5 XP. C'est encore un succès. J'ai tué 5 bras flottants, ça s'appelle? Un truc comme ça. Ok, let's go. Donc pour l'instant, on peut pas se battre, mais peut-être plus tard. Oula. Oula, celui-là, il fait plus mal. Trop tôt encore. Faut que je trouve le bon... Voilà, j'ai eu le bon timing. Il est mort. Et on récupère de la vie. C'est un espèce un peu de Dark Souls 2D. Mais c'est très cool. Hop là, on descend. C'est un ennemi, ça. Ça a pas l'air. L2. C'est alors. Oh, être sans défaut. J'ai peut-être trouvé un cadeau digne de vous. Les glorieux sculptés utilisent ce genre de bâton pour plus facilement broyer les horribles êtres inférieurs en matériaux utiles. Hihi. Oh, une hache de massacre. Appuyez sur option pour voir l'inventaire, choisissez les objets. Pour voir plus d'informations, appuyez sur X pour équiper l'objet sélectionné. L'une des nombreuses façons de briser une proie. Et donc là, j'ai une hache de massacre. Je vais pas afficher les infos. Et je vais me la... ok, maintenant je peux attaquer. Ça dégage. Oula! Calme-toi, Moss. Attendez, on va essayer de le... Bim! 2 sur 3. Faut aussi faire ça pour que les ennemis puissent... pour avoir les succès et tout. Y'a un truc là, qui... y a des trucs violets qui montent. Oula, c'est quoi ça? L2. Ah, ça doit être les trucs de checkpoint. Balise harmonisée. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un checkpoint. Ah, c'est pour avoir la mise à... C'est pour avoir la carte, ok. Ah ouais, c'est tout ce qu'on a fait. Merde. On peut pas zoomer. Ok, c'est pour celui-là pour zoomer. Ok, on a fait tout ça déjà depuis le début du jeu, d'accord. Ah ouais. Je le trouve vraiment sympa ce jeu en vrai. On
pète les cailloux, peut-être qu'on va aller trouver des trucs. Ah, endurance, attaquer, foncer, consomme de l'endurance, qui se régénère lentement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Sans endurance, des actions ne peuvent pas être faites. Ce qui ne peut pas être bougé par la volonté sera bougé de force. Donc voilà, l'endurance, je vous en avais parlé, comme dans les Dark Souls. Vu qu'il y a des succès, il faut faire ça, donc bah, je vais le faire. Est-ce que ça peut se tuer les... Ah. Allez, attaque. Je peux pas le... Ok, je peux pas le... Je peux pas l'absorber. Peut-être pour le moment. Est-ce que sauter... Ouais, sauter fait... Donne de l'endurance. Ok, on peut pas passer par là. Pour l'instant. Les attaques rouges ne peuvent pas être absorbées. Vous pouvez foncer à travers les ennemis. Ok. Merde. Je voulais l'absorber. Oh, je suis mort! Parce que je sais pas absorber les trucs. J'ai envie d'absorber pour essayer d'avoir le plus de succès possible, mais tant pis. Est-ce que je récupère une arme? Je garde... Ah, ce qui est cool, c'est qu'on garde nos munitions, enfin nos... On va se mettre un peu plus de santé. Et... La dextérité. Voilà, au moins... Putain, on peut tuer les gars qui prient. C'est trop bien ce jeu. Bon, on va pas tarder, je pense, à s'arrêter. Voilà, on a un peu vu. Est-ce qu'il y a le repop des ennemis? Oui, il y a le repop des ennemis. Putain, je le fais toujours trop tôt. Ouais, je suis à 6 sur 8 pour les rampants. 7 sur 8. Il m'en manque plus beaucoup à voir et... Lui, il te repousse juste, ça va. Il fait pas de dégâts. Bon, pour lui, on a déjà tout récupéré pour. Donc, il n'y a pas besoin de. Hop là, let's go, on repart. Je vais essayer de revenir là où je suis mort et puis ensuite on arrêtera là. Et voilà, les rampants, c'est fait. On a tout eu pour les rampants. Il n'y a pas eu de succès affiché sur l'écran. Il est très sympa comme petit jeu, j'aime beaucoup. En plus, c'est un espèce de Metroid-like. Trop tôt. Voilà. 3 sur 5. Et Kaal Rock. Ok, eux, il n'y a plus besoin. Dégage. Oh, il y a un truc. Des ongles. Ok, ici on a le truc pour la carte. Truc qu'on a déjà activé. Et c'est vers là qu'on était mort, non? Je sais plus. Je sais plus du tout où est-ce qu'on était mort. Oh, l'enfoiré. Voilà, j'ai réussi à esquiver 4 sur 5, encore un et c'est terminé. Ah, c'est lui, c'est ici. Ah, regardez, il y a ma dépouille. Merde. Oh ouais, je vais mourir. Mais non, oh, tu recharges ta vie, tu peux quand même mourir. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, bah, c'est sur cette mort qu'on va s'arrêter pour Grime. Jeu que j'aime beaucoup, je pense que je vais continuer, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que ce bon plan vous a plu. Si le bon plan vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. Me suivre sur Twitch, Twitter et Discord, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. C'était Link. A plus tout le monde.
Bye bye.